ça fait longtemps que vous êtes en couple, ou encore ça fait quelques mois que vous êtes connus, et maintenant vous avez décidé de franchir les pas. Mais il y a une question qui vous taraude, c'est celle de savoir combien va coûter votre cérémonie de mariage. Et la chaîne qui vous parle du milieu de l'amour. Pour connaître le budget de votre mariage, il faudra d'abord sélectionner vos prestataires et connaître leur prix. Nous allons voir ensemble comment vous sélectionner et comment calculer votre budget de mariage. Nous allons d'abord voir le faire-part. Des invitations de mariage sans oublier les timbres, cartons de remerciement, menu de mariage original, marque-place, comptez pour la papeterie de votre mariage entre 250 euros et 600 euros selon si vous fabriquez vous-même ou si vous commandez vos faire-part sur Internet ou à un graphiste de votre région. Deuxièmement, nous allons parler de la location du lieu de réception. Le prix de votre espace de réception dépend bien sûr de beaucoup de facteurs, notamment le type de lieu. Voulez-vous un château, un domaine, la salle de fête? Ça dépend aussi du nombre des invités, avec ou sans possibilité d'hébergement. Ça dépend aussi de la date du mariage. Sachez qu'il existe de basse et de haute saison. Ça dépendra aussi du mobilier inclus ou non. Il faut compter entre 2000 euros et 7000 euros pour la location de votre espace de réception. Nous allons parler maintenant du service traiteur et boisson. La prestation de votre traiteur dépend du prestige de l'entreprise, du choix du menu et de la formule. Voulez-vous un cocktail, un dîner, assis, un service à table? C'est à vous de voir. Mais aussi du nombre d'invités. Le prix moyen d'un tel service est compris entre 4000 euros et 6000 euros. Les traiteurs de grande surface peuvent faire baisser les prix autour de 1000 euros. Si vous prenez une option open bar, vous devrez ajouter à votre budget traiteur environ 300 euros. Allons voir le photographe et le vidéaste. Ne négligez pas ce type de dépenses. Il est important d'investir dans les services d'un bon photographe ou vidéaste car cela vous permettra de revivre indéfiniment votre grand jour à travers de sublimes photos de mariage originales. Les tarifs moyens d'un photographe de mariage est entre 800 euros et 1500 euros. Les prix peuvent éventuellement baisser si vous vous mariez hors saison et bien sûr en fonction des options et les formules sélectionnées. Les fleurs. Elles ne peuvent manquer à la décoration. Il en faudra pour les lieux de la cérémonie, sur vos tables de réception et éventuellement sur votre voiture de location et autres éléments de votre choix.
Vous ne devez pas non plus oublier les bouquets de mariée et autres petits accessoires floraux pour vos tenues. Pour fleurir votre mariage comme il se doit, vous devrez y consacrer entre 100 et 400 euros. La décoration. La décoration des salles de mariage, tout comme du reste des lieux de votre grand jour, est également à prendre en compte dans votre budget de mariage. Vous pouvez décider de vous en charger vous-même pour réaliser quelques économies ou encore d'engager les services d'un spécialiste. Budget décoration entre 500 euros et 1500 euros. La musique et animation. Allez-vous engager un DJ ou un groupe pour votre mariage? Avez-vous prévu une animation pendant les cocktails, genre caricature, spectacle, des clowns, un atelier culinaire ou que sais-je encore? En fonction de ces différentes options d'animation de mariage, prévoyez entre 500 et 1000 euros. La location de voitures. Si vous souhaitez vous déplacer dans une voiture de mariage originale, sa location vous coûtera environ 400 euros. Si vous désirez louer une voiture de luxe, le budget va bien entendu grimper. Les dépenses de la mariée. Ce budget comprend la robe du marié, les accessoires tels que les chaussures, les bijoux, une coiffe, les autres accessoires aussi, tout comme le make-up mariage. Les dépenses de la mariée s'élèvent en moyenne à 1500 euros. Les dépenses du marié. Elles comprennent son costume et ses accessoires, soit environ 550 euros. Les plus coquets dépenseront jusqu'à 1000 euros car il faut aussi compter les soins au moment des préparatifs. Concernant vos tenues de cérémonie, je vous invite à aller faire un tour sur notre site internet fiestaafrica.com pour choisir vos tenues de qualité à des prix abordables et de vous abonner sur notre canal Telegram pour voir nos collections éphémères. Cadeau des invités. Si vous avez envie d'offrir un petit cadeau du mariage original, souvenir à vos proches, comptez en moyenne 400 euros pour un mariage de 100 personnes. Je viens de vous donner tous les chiffres approximatifs pour calculer le budget de votre mariage. À vous de jouer. Bon préparatif à vous. N'oubliez pas de vous abonner sur Fiesta Africa en cliquant sur la cloche de notification afin de continuer à recevoir nos vidéos. D'ici là, portez-vous bien.